pas acheté des boucles d'oreilles ou des trucs? Non, hein. J'ai pas acheté de bijoux, hein. Non. Bon, allez. On y va. C'est parti. Il est beau, hein. Il est trop beau. T'aimes pas? Non. Je trouve trop beau. Parce que t'as pas de goût, ça. Alors, Nigo. Maintenant, tu commences si t'as acheté un truc ici. Ah ouais. 1, 2, 3. Il va la jury. Je rêve. Salut. Alors aujourd'hui, je reviens avec la suite de mes achats pendant les soldes. Donc c'est que des achats soldés. Non, je n'ai pas acheté. Ah ok. C'est que des achats soldés, sauf que j'ai acheté une robe nouvelle collection parce que j'ai flashé dessus et je vais en même temps vous raconter la petite histoire de cette robe. Donc on va commencer par les bijoux. Donc moi, chaque année pendant les soldes, je vais chez moi parce que franchement chez moi, oui. Non, je suis déjà chez moi. La petite blague du jour, t'aurais pu rigoler au moins, Tissanet. Bon. Je vais tout le temps chez moi et j'achète tout le temps parce qu'il y a tout le temps moins 70. Là, c'est moins 60, mais je pense que la semaine prochaine, c'est moins 70, la deuxième des marques. Ou la troisième. Et moi, j'aime bien les petits colliers comme ça avec le fil transparent et les tout petits, vous savez, les petits bijoux comme ceci. Je sais pas si ça va faire la... Voilà, donc celui-ci, il était à moins 60%, donc à 8 euros, de 8 euros, il est passé à 3,25 euros, je crois. Et je vais l'essayer en même temps que vous, parce que je ne l'ai pas du tout essayé. Donc en même temps, je vais le mettre, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mis de collier, je me sens toute nue. Donc on va voir ce que ça donne, en sachant que souvent, ils sont un petit peu tordus quand je les achète là-bas. Quand ils sont en promo, c'est que souvent, ils sont tordus. Donc, ça va, non? Non, ça va pas. Ça remonte, non? Je rêve. Ah non, il est... en fait, il est parce trop serré. Trop gros. Ouais, il est trop serré. Là. Pourquoi tu peux le desserrer? Ah oui, je choisis où je le mets. Là. Je m'en sois ici parce que sinon on me voit. Il est bien là où il me remonte en l'air, je vois pas bien. Il te rend. Ah, c'est quand tu parles comme moi avec la main. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que quand je vais parler, ça va remonter. Pareil, ça me faisait pareil. Ah non, mais ça j'aime pas. Hein. Ah non, hein. Attends, je vais le desserrer. Ah mais voilà, tu peux le desserrer. Oui, mais c'est pareil quand je vais parler. Ah non, c'est un peu mieux. Montre. Ça va? Ça va? C'est vilain comme ça. Ah le vilain. Bon, ben voilà, j'ai acheté mais ça. Il est beau. Mais sinon, ouais, il est joli. Je peux encore un petit peu le desserrer. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, on verra plus tard. Ensuite, à moi, toujours, j'ai acheté le petit... Bon, j'ai déjà ouvert. C'est une chaîne de cheville. Elle est comme ceci. Et en fait, à la place de 17,99€, je l'ai payé. Tout le monde écrit un peu de temps. Je l'ai payé 7,50€, je crois, à moins 60%. Et je l'ai pris en argent. D'ailleurs, je vais la mettre et je vais vous montrer. Je l'ai pris en argent parce qu'en fait, tout le temps, je mets des trucs aux chevilles, des chaînes de cheville. Et en fait, quand c'est pas de l'argent, que la gnognotte ou etc. Quoi, pourquoi? Mais pourquoi t'achètes pas aussi un collier en argent? Ouais, c'est vrai. Il est beau le tien. Moi j'aime bien aussi. Je crois que je m'en achèterai un autre la semaine prochaine. Oh, mais il est joli, regardez. Pour le prix. Génial. Ah, vous m'en prenez un gros pied de gros dos. Ça fait pas la mise au point, attendez. Attendez. J'espère que j'ai pas des poils, hein. Regardez comment il est beau. Non, c'est lequel que t'as fait. Ah, mais merde. Là. J'espère qu'on le voit. Regarde. Voilà. Comme ça, elle donne pas vraiment très belle et portée. Ah ouais. Non mais attendez, parce qu'elle m'en montre tout. Là, c'est bon. Voilà. Elles sont trop belles. Il est trop joli. Et du coup, je l'ai pris. Attendez, mise au point. Du coup, je l'ai pris en argent parce que, comme ça, je peux me doucher avec. Il est beau. Je savais pas que t'avais pris celui-ci. Il est beau ou pas? Ouais, il est grave beau. C'est celui que j'aimais moi. Eh ben, c'est moi qui l'ai pris. Porte de mort. Non mais de toute façon, il y en avait qu'un. Mais c'est toi qui m'as dit regarde. C'est toi, tu m'as dit maman, je t'ai dit ouais, je veux regarder, c'est un truc de cheville. Tu m'as dit maman, t'es regarde, il y a celui-là. Ouais, je t'ai dit il est beau, mais je croyais que t'allais pas aimer en fait. Parce que toi, t'aimes bien quand il y a plusieurs motifs dessus. Ouais, mais là, celui-là, j'ai trouvé beau. Et puis, comme c'était le seul qu'il y avait, bah, du coup, j'ai prévu. Moi, Jennifer, arrête de marceler là. Tu peux arrêter avec le fil. Pardon. Ensuite, on va finir avec les bijoux. Enfin, bijoux, ouais, c'est bijoux. Hein. J'ai acheté les deux petites barrettes qui n'étaient pas soldées, évidemment. Ben, en fait, ça se fait beaucoup en ce moment. Les deux petites barrettes avec les perles. Je voulais les acheter chez AliExpress, mais j'ai tellement la flemme d'attendre la livraison que du coup, bah, je les ai achetés. On les a achetés où? Stradivarius. Bah, du coup, je les ai achetés à Stradivarius.
Du coup, je les ai achetés à Stradivarius et je crois que je les ai payés 8,50€ les deux. 7,99€. Ah, 8€ les deux. Regarde tellement que j'ai des gros bras, elles ça me sert ici. Pas du tout en solde. Ah ouais, c'est vrai. Et pour terminer dans les accessoires, j'ai pris ces magnifiques chaussures que j'adore. Alors tout le monde ne va pas aimer, mais moi je les trouve tellement belles que je les ai jamais mises encore. Elles sont trop belles. Ça, habillé tout en noir avec ça, c'est trop beau. Et un rouge à lèvres assorti parce que là c'est un peu trop rouge mon rouge à lèvres. C'est trop beau. Et celles-ci, elles étaient en promo à moins 50 ou moins 30. Je les ai payées 17,99€. Voilà. Je les ai jamais mises, mais je les ai juste essayées. En fait, je suis sortie avec devant la maison, mais je suis rentrée parce que ça n'allait pas à ma tenue. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour les accessoires et les bijoux. Et maintenant, on va passer aux habits. Alors, en fait, j'ai acheté que des robes longues. Cette année, je recherche que des robes longues. Quand je vous dis des robes longues, c'est des robes longues. Tellement que ma mère, elle m'a donné celle-ci qui est trop belle. Elle est trop trop belle celle-ci. J'ai dit maman t'as pas des robes longues à me donner. Et finalement elle me les a données. Elle m'a donné celle-ci. Elle m'a donné une bleue qui est trop belle aussi. Je sais pas du tout où elle a acheté. Par contre les bretelles transparentes c'est trop moche. Hein. Ah mais c'est trop moche les bretelles transparentes. On voit que ça. Moi aussi je trouve que ça se voit trop les bretelles transparentes. Ouais j'ai voulu mettre un soutif sans bretelles. Mais en fait ça me serrait tellement que ça me faisait ressortir le bourrelet du dos. Alors chez Zara. J'ai acheté cette robe là, je voulais vraiment une robe ample mais en fait finalement elle me grossit, peut-être avec une ceinture mais elle me grossit. Donc je vais vous montrer dans le try on mais c'est pas très beau quoi sûrement. Tyson elle aime bien mais moi j'aime pas. Alors les bretelles elles sont comme ceci, ouais avec une ceinture, elles sont comme ceci. Par contre pourquoi ils ont fait ça? Ah ouais, là. Et en fait elle est blanche toute simple, voilà. Toute simple et jusqu'au bout comme ceci. Et en fait je l'ai payé à la place de 25,95€, je l'ai payé 12,99€. Voilà, après chez Zara j'ai pas trouvé grand chose à me mettre. Blagnac, il n'y a pas grand chose. Ouais, il n'y a pas grand chose à Blagnac. Donc du coup, ensuite chez Pinky j'ai trouvé cette jolie robe. Alors je trouve qu'elle me fait des grosses fesses. Tyson elle me dit que non, mais moi je trouve qu'elle me fait des grosses fesses. Bon là ça va pas donner grand chose parce que je vais vous la montrer comme ça, mais il faut le voir porter. La couleur déjà, ben j'ai pas acheté de noir trop, j'ai acheté une robe noire. Et en fait elle est, bon, je vous la montre. Elle est croisée comme ceci, devant. Elle a des poches sur le côté. Et en fait elle est cintrée au niveau de la taille, vous verrez là, vous allez voir. Et en fait elle est très très jolie, la couleur elle est très jolie. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait le triple de moi. Donc dites-moi, parce que si ça va pas du tout, je la ramène au magasin. Ensuite, en robe, alors cette robe là je vous l'ai mise sur Instagram, par contre à chaque fois qu'on fait des soldes, vu que dans les magasins il me semble que les soldes c'est tout le temps soit les collections qui vendent pas, soit les collections des années 14-18, voilà c'est toujours des collections dont on... Pardon. Le fil c'est pas moi, c'est le matelas hein. T'as qu'à arrêter de t'appuyer. Je... Non mais oh. Et alors du coup j'ai pris cette robe là qui n'était pas du tout en solde, qui était la nouvelle collection. C'est la robe qui est effet cache-cœur. Voilà. Et en fait les robes effet cache-cœur, quand vous avez des formes et des hanches, c'est super beau. Par contre elle est très très ouverte, elle est ouverte jusqu'en haut de la cuisse. Donc mais elle est super belle. En plus derrière elle a le petit nœud comme ceci. Elle est super jolie. Et celle-ci je ne l'ai pas payée cher, je l'ai payée nouvelle collection, je l'ai payée 19,95€ ou 19,99€ chez Bershka. Donc là j'ai trouvé que ça chez Bershka. Et mon grand coup de cœur que j'ai acheté, c'est quoi la boutique? Aucune idée. Cette boutique là. C'est une boutique en fait où il n'y a que des que de la marque. À Fenouillé, ouais, je sais pas comment. La galerie Fenouillé. C'est une boutique où il n'y a que de la marque. Et en fait, elle est comme ceci. C'est mon grand coup de cœur parce que le tissu, il est vraiment à l'aise. Après, tout le monde ne va pas aimer la couleur. Mais voilà, moi qui ne mets jamais de couleur. C'est une robe très 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 longue et très très à l'aise. Et en fait on peut la porter des deux façons. Soit on met le croisé comme ça devant avec le dos nu derrière, ou vice versa, parce qu'en sachant que l'étiquette elle est derrière et ça s'attache comme ça. Et en fait je l'ai payé à moins 50%, je ne sais pas du tout quelle est cette marque. À la place de 60€, je l'ai payé combien déjà? 30. J'ai payé 30€. Oui, moins 50. Donc j'ai eu du mal à l'acheter parce que je mets jamais ce prix là dans des robes. 30€ pour moi c'est trop cher pour une robe, surtout en solde. Mais j'ai tellement flashé dessus que j'ai dit il faut que je l'achète. J'aime trop ce tissu. D'ailleurs là en ce moment je recherche une nuisette longue
Mais nuisette, hein. Vraiment nuisette, pas une robe, une nuisette longue pour mettre en forme de robe, mais large. Voilà, j'en avais trouvé une à Halle, au vêtement, et puis du coup, j'ai pas trouvé ma taille. Voilà. Et je vais vous raconter l'anecdote de la robe, j'ai oublié, l'anecdote de cette robe. Alors en fait, cette robe là, quand je l'ai vue à Bershka, j'ai flashé complètement sans l'avoir essayé, j'ai flashé dessus. Donc je suis allée voir la taille, j'ai regardé la taille, en fait il n'y avait que des tailles S et XS. Il y avait la taille M, mais en couleur comme ceci là, en couleur rouille. Et j'ai dit à Tissène, vas-y va l'essayer, s'il te plaît va l'essayer, parce que moi j'avais la flemme de me déshabiller. J'ai dit va essayer la M, c'est vraiment trop grande, je prendrai la L. Et donc il n'y avait pas de L. Et juste avant, quand j'ai parlé, il y a une fille qui est passée juste avant moi et qui avait pris la M ou la L, elle avait pris. Je sais plus. Elle avait pris soit la M, soit la L. Donc, on s'est mis en même temps qu'elle, on a attendu qu'elle aille dans la cabine, et j'ai dit à Tissène, on va attendre après elle, comme ça si elle repose la robe, je prends la robe. Parce que je la voulais tellement, il n'y avait plus ma taille, j'étais dégoûtée. Donc on a attendu, je crois, je me demande si c'était fait exprès ou s'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou quoi. Sans mentir et sans exagérer, la fille, elle avait trois articles ou deux ? Trois. Elle avait trois articles. Elle avait, je crois, deux robes et un pantalon. Elle est restée 45 minutes, sans exagérer, 45 minutes dans la cabine d'essayage. Donc nous, on est resté 20 minutes dans la cabine d'essayage. Tissène, elle faisait semblant d'essayer des habits. On attendait. Je me suis dit, dès qu'elle sort et que je vois si elle a posé la robe, je demande aux vendeuses de me donner la robe et je l'essaie directement. On attendait. Au bout de 20 minutes, je voyais que les femmes qui travaillaient là-bas s'impatientaient, regardaient sous le rideau et tout. Je dis à Tissène, bon vas-y c'est bon, parce que elles vont croire encore qu'on est en train de voler, parce qu'on avait quoi, deux articles. Donc du coup on est sorti et on a attendu dans le magasin, et on a attendu 25 minutes qu'elle sorte de la cabine, de plus que les 20 minutes. On a attendu 45 minutes, finalement elle est sortie de la cabine, elle est restée 10 minutes et je mens pas. Je vous promets que je mens pas. Elle est restée 10 minutes devant les femmes qui rangent là. Vous savez, à la cabine essayage, il y a toujours des femmes qui récupèrent les vêtements et qui les rangent dans les portants. Et elle était là, je la prends pas. Je dis à Tissène, elle va la poser ou elle va la prendre? Elle était là, oh non, je la veux pas. Oh non, je la veux. Oh non, je la veux. Mais j'ai halluciné. Je me suis dit, comme par hasard, je veux cette robe et je l'aurai pas. Du coup, elle a pris la robe. Donc je dis à Tissène, vas-y, c'est mort, on va faire la queue, on va payer tes affaires. On se met à la queue, elle était devant nous, elle faisait la queue et tout. Elle est repartie, elle a dit, attendez, je reviens. Elle est repartie au cabinet d'essayage au portant, dire aux femmes, finalement, je la prends pas. Elle a donné aux femmes, j'ai dit, ouais, c'est bon, je vais la chercher. Elle a donné la robe aux femmes, et finalement, elle a repris la robe, elle est revenue, elle s'est mise devant moi, elle a dit, oh, mais j'ai hésité quand même à la prendre, la robe. J'avais les boules comme ça. Finalement, elle avait pris la robe. Donc, du coup, j'étais trop dégoûtée. Je suis rentrée chez moi et tout. Et le lendemain, c'est le lendemain où on est parti en Andorre. Et en Andorre, il y avait un Bershka. Donc j'ai dit à Tissène, il faut que je rentre à Bershka, il faut que je trouve cette robe. Et puis finalement, j'ai trouvé la robe à Bershka. Voilà, j'ai trouvé à Bershka. Elle était à 1€ de moins. Du coup, j'ai payé 1€ de moins. Bon, ça vaut pas le coup d'aller jusqu'à Andorre pour payer 1€ de moins, je vous avertis. Mais je l'ai payé 1€ de moins et j'étais trop contente. Voilà la petite anecdote. Voilà la petite anecdote de cette robe. Mais franchement, avec Tissène, on a halluciné. Jamais de la vie, on a vu ça. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire un essayage pendant 45 minutes? Dites-moi si vous avez déjà vu quelqu'un faire un essayage pendant 45 minutes pour 2 ou 3 articles. C'est impossible. Elle était tellement pas décidée à prendre cette robe. Moi, quand je suis pas décidée, vous savez ce que je fais? Je prends la robe, je prends le temps d'essayer, enfin je prends le vêtement, je prends le temps d'essayer à la maison. Je me regarde dans tous les angles avec toutes les paires de chaussures que je peux essayer, les coiffures, etc. Si ça va, je garde. Si ça va pas, je ramène en magasin. Après, il faut habiter à côté, parce que si ça habite à Perpète aussi... Donc voilà. Voilà, donc j'ai acheté que ça pour l'instant. Peut-être que je ferai d'autres soldes d'ici la fin de du mois. Peut-être. On verra. En attendant, je vous mets mon 21 buttons toujours en barre d'infos. Comme ça, les vêtements, quand je les mets au fur et à mesure, je vous les mets sur mon 21 buttons. Et vous pouvez retrouver les articles. Et la majorité du temps, comme je vous le dis, c'est toujours des produits, des vêtements pas chers. Qu'est-ce que t'as? Ah mais j'ai trouvé. Ah, je vois que tu te foutais de moi. Voilà, donc dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et puis dites-moi aussi si vous avez fait les soldes, si vous avez des bons plans. Partagez-les nous en commentaire pour faire profiter tout le monde. Et puis voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.